construit aujourd'hui, et pour qu'il soit construit aujourd'hui, rassemblons-nous pour la victoire et la victoire de nos jeunes, le futur du pauvre. Rassemblons-nous. Construire, rebâtir, refonder le Congo de demain, c'est notre combat. Le combat pour la liberté, le combat pour la justice, le combat pour les droits de l'homme, le combat pour l'égalité des chances, parce que nous pensons que, ensemble, nous pouvons atteindre ce but. Si nous réfléchissons bien, si nous agissons ensemble, si nous sommes convaincus que la voie que nous allons tracer est celle de l'espérance, celle qui refuse la corruption, celle qui refuse le gain facile, celle qui refuse la tribu, celle qui refuse la région, mais celle qui rassemble le peuple congolais. Un Congo uni, un Congo fort, un Congo de l'espoir, un Congo puissant, un Congo qui peut encore donner de l'espérance, un Congo qui peut retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Voilà le Congo, voilà notre vision pour le Congo. C'est celle qui consiste à rebâtir un nouveau Congo, un Congo né de nouveau, un Congo de l'espérance. Chers compatriotes, il y a encore de l'espoir pour vous, vous qui êtes exclus, vous qui vivez sous l'oppression, sous la servitude, vous qui n'avez plus d'espoir, vous qui ne comptez plus quel est l'état de votre avenir. Mais je vous le dis, et je vous le confirme, qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Mais tout ce que je vous demande, c'est que nous nous rassemblons, tous unis, nous gagnerons ce combat, le combat pour la liberté, nous gagnerons ce combat pour le développement de notre pays. Nous gagnerons ce combat pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de tous ceux qui ont des dons, mais qui ne savent comment les mettre en œuvre. Le pays vous attend, le Congo vous attend. Et vous pouvez compter sur ce projet que je vous propose. Le 30 octobre, c'est une date mémorable, une date qui marquera l'histoire du Congo-Brazzaville. C'est pour cela que nous avons invité les diplomates. Nous avons invité les élus qui seront présents dans la salle, nombreux ont déjà répondu. Nous avons aussi invité de hautes personnalités d'État. Nous avons invité la presse, elle doit être là, les entreprises qui sont appelées à être les acteurs, les partenaires du Congo de demain que nous voulons bâtir. Ils doivent tous être là et nombreux ont déjà répondu à l'appel. C'est pour cela que je demande à tous ceux de la presse, à tous ceux qui existent encore, qu'ils viennent écouter le message que nous avons pour le Congo de demain, le Congo que nous allons bâtir ensemble avec vous. Venez écouter la destinée que nous allons tracer pour le Congo de demain. Le 30 octobre 2014 à 14h précise, venez à l'hôtel Méridien Porte Maillot pour écouter le message de l'espoir. Ce message qui vous intéresse, vous, chef d'entreprise, le monde de la presse, vous, journaliste, quel que soit, là où vous êtes, venez écouter. Nous avons besoin de vous. Venez écouter.